Sophie Roux, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Pierre Rousseau. Pierre, Merci. Bonjour. Bonjour. Pierre est pédicure podologue et c'est quelqu'un qui a énormément de choses à révéler. Je l'ai trouvé extrêmement passionnant et je voulais vous en faire profiter sur ce thème posture et comportement. Alors justement, la première question, c'est que tu m'as expliqué qu'il y avait différents types de postures. Mmh. Quelles sont-elles ? Du coup, on a des postures, on a différentes personnes, différentes façons de se comporter. On a d'abord des gens qui sont en lien avec ce qu'ils sont, qui ont besoin de se rassurer. Et pour ça, ils vont utiliser plus leur bassin. Ils vont avoir besoin de s'ancrer au sol. Donc quand ils se mettent dans une chaise, ils vont se mettre en arrière, bien dans le dossier. Quand on les voit marcher, c'est le bassin qui va bouger. Et si on prend un exemple qui est plus révélateur, c'est un peu une exception, mais Johan Diniz, qui est marcheur olympique, eh ben si on veut prendre un stéréotype, c'est ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup utiliser ses bras et avec le bassin qui bouge beaucoup. Les épaules ne bougent très peu. Et en fait, il roule des fesses, il roule des fesses, il roule des fesses. Et avec un corps qui, globalement, va être plutôt rétropulsé, c'est-à-dire qu'il va être plutôt porté en arrière, qui va utiliser tous les muscles de la face avant du corps pour se retenir. Et en fait, il pose un pas devant et le but du jeu, c'est d'aller attraper le sol et de tirer pour pouvoir avancer. Et il met un pied devant, il tire, il met l'autre, il tire. Et à chaque fois, c'est que la force vient du bassin et ça roule, ça avance tranquillement. Donc là, le bassin est le pivot central dans ce cadre-là. D'accord. Voilà, c'est là où on va avoir le plus de mobilité. Ok. Il va fonctionner, ça va être un fonctionnement en un temps, c'est-à-dire qu'il part et directement, il envoie, il tire. Il n'a pas besoin d'amorcer son mouvement. D'accord. Ça va venir comme ça, tout doucement, au fur et à mesure. Et de l'autre côté, on a des gens qui vont, eux, avoir besoin de faire bouger leurs épaules. Ils ont besoin de, eux, plutôt de monter pour libérer leurs épaules, pour bouger. Dans une chaise, ils vont être beaucoup plus en avant, libérés du dossier, moins besoin de s'ancrer. Eux, ils vont plutôt chercher à s'ouvrir. Donc on va les retrouver très assis sur l'avant de la chaise. Et quand ils marchent, eux, au contraire, ils sont en avant et ils se laissent tomber en avant au fur et à mesure. Ils vont avoir des muscles plutôt à l'arrière du corps, très puissants, qui vont retenir cette chute en avant. Et ce fonctionnement, on va les retrouver plus dans du rebond, plus de mouvement dans les épaules. Et en fait, ils sont perpétuellement en train de tomber en avant et ils avancent les jambes pour éviter de se casser la gueule en avant. Et on va les retrouver, du coup, le corps, il va absorber cette énergie qui part vers l'avant. Il va l'amortir et la restituer comme un ressort. Quand les autres, qui fonctionnent plus par le bassin, par le bas, eux, ils vont pousser comme des pistons, ils vont s'attraper au sol et ils vont pousser vers l'avant. Alors que les gens qui fonctionnent par les épaules vont tout absorber comme un ressort et toujours restituer en marchant. Ça va faire des gens qui vont rebondir, donc avec des oscillations verticales importantes. Ça va partir des épaules, contre les autres, ça va partir des fesses, et on verra leur tête qui ne bouge pas. Au niveau du corps, quand ça part du bassin, on a un besoin, parce que c'est les muscles antérieurs qui sont puissants, tout va se refermer. Tous les mouvements de rotation interne, ce qu'on appelle la pronation, tout ce qui vient vers l'intérieur sera puissant et aisé. Donc, si je suis tennisman, je vais avoir ma main naturellement vers l'extérieur pour que quand j'ai besoin de frapper la balle, tout part à l'intérieur. Alors qu'à l'inverse, si je suis plus à l'aise pour partir vers l'extérieur pour m'ouvrir, je vais partir un peu fermé parce que là où je m'épanouis, c'est pour envoyer par exemple plus du revers. Et ça, tout ça, c'est assez intéressant au niveau du fonctionnement parce que quand on regarde au niveau de la marche, on va avoir des gens qui vont être très portés vers l'intérieur avec les genoux qui rentrent, les pieds qui rentrent, mais qui n'ont aucun problème. Tout va bien. Parce qu'en fait, ils sont dans leur fonctionnement. La machine, elle est faite pour fonctionner comme ça. Ça sort un peu des stéréotypes orthonormés qu'on apprend à l'école. Mais en fait,
c'est aussi leur fonctionnement. Donc corriger leur posture qui paraît anormale pour la société, c'est en fait les mettre dans un cul-de-sac. Et en porte-à-faux par rapport à leur façon d'être, quoi. À ce qu'ils sont eux. Et on va leur demander un fonctionnement qui n'est pas leur et qui peut les perturber. Alors qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Dans ce que tu expliques, en fait, est-ce que ça correspond à des caractères ? On voit des grands traits de caractère qui vont ressortir là-dedans. Oui. Chez ces gens qui fonctionnent par le bassin, on va avoir besoin... ils fonctionnent temps par temps, ils tirent. Et en fait, c'est avec eux, il faut communiquer sur étape par étape. Comment est-ce qu'on va construire un projet ? Et si on leur demande un exercice, il ne faut pas leur dire « faites ça ». C'est-à-dire, il faut monter l'étape 1, la 2, la 3 pour faire ça. Les gens qui fonctionnent par les épaules vont être déjà beaucoup plus dans... Ils ont un premier temps d'amorçage, mais eux, ils s'expriment vraiment une fois qu'ils ont pris leur inertie. Et donc ces gens-là, c'est simple, il suffit de leur donner le but final et ils vont pouvoir partir directement dessus. Les étapes par où ils vont passer, c'est moins important pour eux. Faut eux, c'est vraiment partir sur du mouvement. Et en fait, il y a un deuxième trait de caractère, du moins un deuxième trait à prendre en compte, c'est qu'on a aussi au niveau cérébral, et qu'on voit principalement au niveau du port de tête, des gens qui vont avoir soit des ports de tête très avancés, ou au contraire très droits. Et quand on combine les deux, on commence à avoir des gros traits de caractère qui sortent, des profils qui sont encore assez généraux, mais assez marqués. Avec des gens, en fait, qui sont un port de tête très droit, qu'on va retrouver par exemple sur des sports comme du tir, beaucoup plus à l'aise à l'inspiration au moment de tirer. Et en fait, c'est des gens, quand on étudie tout ça, qui vont réfléchir à... qui sont dans la pensée, qui sont un peu critiques, qui ont besoin de séparer les choses. Ils partent sur des critères plutôt impersonnels et qui vont un peu tout segmenter. Ils ont besoin de rationalité pour fonctionner. Donc dans l'analyse, en fait. Beaucoup d'analyse. Et donc du coup, si tu prends ce trait-là et que tu l'associes à quelqu'un, si tu as quelqu'un qui a ce trait-là et qui est en plus très bassin, eh ben, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'étapes, qui va avoir besoin de beaucoup d'étapes, et qui va beaucoup critiquer, qui va se mettre sur des choses très rationnelles. Donc on va avoir quelqu'un qui va beaucoup travailler sur de l'analyse. Mais on trouve, c'est aussi des gens, dans ce genre-là, qui bougent beaucoup, qui ont besoin d'avancer, mais qu'on retrouve même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses. C'est intéressant. Ou alors, tu peux aussi trouver, même dans si tu gardes ce côté tête droite, mais sur quelqu'un qui travaille avec les épaules, c'est toujours quelqu'un qui va avoir besoin de rationalité, de se poser des questions, mais qui peut aussi partir sur un projet complet. Et donc là, on a plus un profil de chercheur, quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions, qui va s'attacher à son travail, qui va être très impliqué là-dedans. Et si tu veux commencer à le déstabiliser, il suffit de rentrer comme ça. Lui dire que telle action n'a pas été bien faite, que les critères n'étaient pas assez rationnels, et on peut assez facilement déstabiliser la personne. Ce qui peut être bien ou pas bien. Et donc du coup, ça permet, avec ces deux points-là, de retrouver déjà quatre grands profils principaux qui permettent d'avoir déjà des fonctionnements différents, mais globalement, on retrouve des choses communes. On est en train de parler de posture, de choses inscrites dans le corps. Est-ce que c'est figé dans le temps ou ça évolue? Comment ça se traduit dans le temps? Ça, j'ai pas encore beaucoup d'informations, mais je pense que ça évolue dans le temps. Après, on a notre fonctionnement qui nous est propre, qui lui est fixe, mais qu'autour de ça, quand on va grandir, quand on va mûrir, on va arriver à prendre du recul sur qui je suis, comment je fonctionne. Ça, je pense que ça se développe beaucoup à l'adolescence. Et d'un point de vue moteur et posture, on va voir se développer en fait une posture principale qui va me permettre à moi d'être efficace, de fonctionner. Et il y avait des fois des postures annexes, une, deux, trois, qui vont me permettre quand je suis dans une position de faiblesse, d'insécurité ou de stress, eh bien d'arriver à prendre du recul. Parce que si je reste trop dans mon fonctionnement, je vais monter en régime, du moins je vais être bloqué dans une boucle particulière
qui va monter en pression. Et parfois, on a juste besoin d'arriver, d'arrêter de fonctionner comme ça et de prendre du recul, d'avoir une position de secours. Et ça, on le voit par exemple, positionnement des yeux, positionnement des épaules. Est-ce que naturellement, je suis en avant? Et là, ta question ne me plaît pas. Et je vais passer d'un fonctionnement épaule à un fonctionnement bassin. Ou ma tête qui va changer de position. Tout ça, ça peut s'observer facilement. Oui, et pour le coup, c'est-à-dire que finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler un caractère dominant, qui va plutôt être... figé, enfin, pas figé, mais... Pas figé, il évolue. Évolue, mais il va évoluer dans ses plus petites composantes, dans des variables, en fait. Voilà. Mais globalement, cette dominante... je pourrais plutôt l'appeler comme ça, elle va être plutôt constante dans le temps. Voilà, et elle évolue au fur et à mesure. Pour s'adapter en fait au contexte, c'est ça voilà. Ce que tu expliques. Et au fur et à mesure, je pense que au fur et à mesure de la vie, on va avoir cette dominante qui reste, et elle va être étayée par des minimes qui vont se développer autour, et qui vont permettre à chacun d'avoir une boîte à outils qui s'étaye au fur et à mesure du temps, qui s'enrichit, pour pouvoir répondre à différentes situations, différents contextes, et ça se développe au fur et à mesure de la vie. Oui, ce que j'entends, enfin ce que tu expliquais aussi tout à l'heure, c'est que peut-être qu'on peut aussi faire évoluer encore un peu plus en accentuant par la prise de conscience de la posture que l'on a, et peut-être volontairement se mettre dans une autre posture pour pouvoir avoir une autre interaction avec les personnes ou l'environnement. Exactement. Ou déjà d'un point de vue personnel, soit je me mets en mimétique d'une personne en face de moi qui ne fonctionne pas pareil et je peux intellectualiser, étant donné que j'ai intellectualisé tout ça, me mettre volontairement dans une position qui n'est pas la mienne et qui me permette d'interagir avec quelqu'un, ou alors si je sais que je vais tomber dans un contexte particulier, par exemple, je tire un tir au but, finale de la Coupe du Monde, à la 90e minute, je sais que je vais avoir du stress, je sais que ça va pas être une situation facile, et ben là je peux utiliser, étant donné que je sais comment je fonctionne, et ben je peux aller chercher mon fonctionnement annexe qui celui-ci ne sera dans lequel je serai plus à l'aise dans une situation de stress comme ça. Oui, plus adapté pour y faire voilà. Face. Voilà, et poser directement ma posture qui sera plus adaptée et qui va me permettre de fonctionner malgré le stress et qui sera pas forcément ma dominante. Eh bien, écoute, Pierre, un grand merci pour toutes ces informations. Enfin, moi, j'ai encore appris plein de choses et puis ça vient compléter d'autres apports pour, par exemple, la morphopsychologie qui est aussi un peu en lien avec tout ce que tu as expliqué. Vraiment, un grand, grand merci pour tout ça. Et pour vous, chers auditeurs, j'espère que vous aussi, vous avez pu mieux comprendre votre fonctionnement personnel et puis celui des autres et peut-être apprendre à mieux communiquer avec votre entourage en vous adaptant aussi à qui ils sont. Pour le coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye! Au revoir.